Là, tu as encore tes garçons. Avant-hier. Pour le problème, c'est du cachet là. Oui. Avant-hier, pour le problème, c'est du cachet là. Avant janvier là. Tout à l'heure. Et voilà, c'est là. Il a envoyé des failles. Tout à fait. Vous entendez, non? C'est quand on a affiché sa maman, il est venu faire Pierre Lee. Il a renié sa maman. Après, vu qu'il avait honte, il est passé maintenant derrière quelques temps après. On voyait l'épargne. Et il a filmé ça pour lui montrer que oui, je reconnais ma mère, c'est ma maman. Il a envoyé derrière maintenant l'épargne en fait. Une maman qu'il a nié, il a renié sa mère qu'il ne connaissait pas. Donc vu que les Ivoiriens ont pris ça en chaud sur lui, que tu peux pas laisser maman Hélène comme ça, il est parti derrière faire semblant. Bien, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il a fait, c'est des mises en scène parce qu'il a senti que il plaît s'écouler. Sinon, en vérité, il ne fait rien pour la vieille. Voilà. Qu'est-ce que le frère dit? Donc, comme il a vu que la maman a été exposée, qu'est-ce qu'il a pris, il a fait? Il a dit, donc, juste pour faire pour son image, tu as envoyé des pagnes. Oh Seigneur, mais Bobli, qui es-tu? Tu sais, avoir une mère en vie, et une mère qui atteint cet âge, elle, je t'ai bien dit ça, c'est cash, hein. Elle a juste besoin de boire, de manger. Parce qu'elle est en train de faire ses derniers jours, en fait. Demain, je vais envoyer de l'argent à ta mère, t'inquiète pas, Bobli. Demain, je vais faire, on voit Adveco, je vais faire la capture d'écran. Maman va un peu bien manger. T'inquiète pas, je vais te faire ça à ta place.